Le sel, un élément omniprésent dans nos vies, est bien plus qu'un simple assaisonnement. Depuis des millénaires, il est considéré comme un symbole spirituel puissant, utilisé dans de nombreux rituels pour purifier, protéger et bénir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les secrets cachés millénaires de la puissance du sel. Dans la Bible, le sel est mentionné à plusieurs reprises, représentant à la fois l'alliance divine, la pureté et la sagesse. Cet article explore les vérités cachées du sel, son pouvoir spirituel, ainsi que le psaume 107, qui nous rappelle l'importance du sel dans la vie spirituelle. Le sel est souvent utilisé dans les rituels spirituels pour sa capacité à purifier les espaces, chasser les énergies négatives et établir une protection divine. Il symbolise l'incorruptibilité et l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple. Utiliser le sel dans les rituels spirituels, c'est appeler à la protection et à la bénédiction divine, en s'appuyant sur une tradition ancienne et profondément enracinée dans le sacré. Le sel dans la Bible, trois exemples puissants. 1. Le sel de l'Alliance, Lévitique 2:13, « Tu assaisonneras de sel toute offrande que tu présenteras, et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, symbole de l'Alliance de ton Dieu. Tu offriras du sel sur toutes tes offrandes. » Le sel est ici présenté comme un symbole de l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple, représentant la durabilité et la fidélité de cette relation sacrée. 2. Le sel de la terre, Matthieu 5:13. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Cette métaphore souligne l'importance du rôle des disciples en tant que porteurs de la vérité et de la sagesse divine, tout en rappelant la nécessité de rester pur et incorruptible. 3. L'épouse de Lot, Genèse 19-26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Ce passage met en avant le pouvoir du sel comme marque de la justice divine et du jugement. La transformation de l'épouse de Lot en statue de sel est une leçon sur l'obéissance à Dieu et les conséquences du regard vers le passé plutôt que de se tourner vers l'avenir sous sa protection. Le psaume 107 célèbre la miséricorde et la puissance de Dieu qui répond aux prières de ses fidèles en les délivrant de leur détresse. Bien que le sel ne soit pas mentionné explicitement dans ce psaume, l'idée de purification et de rédemption résonne avec l'utilisation traditionnelle du sel dans les rituels spirituels. Comme le psaume invoque la guérison et la protection divine, le sel agit comme un canal pour ses bénédictions lorsque utilisé avec foi. Voici un rituel simple mais puissant que vous pouvez réaliser avec du sel pour protéger votre maison et appeler la bénédiction divine. 1. Préparation. Procurez-vous du sel de mer ou du sel non raffiné. Vous pouvez prier ou réciter le psaume 107 avant de commencer pour invoquer la protection divine. 2. Purification. Saupoudrez le sel dans les coins de chaque pièce de votre maison en disant « Que ce sel purifie cet espace, chassant toute négativité et toute énergie indésirable. Qu'il apporte la paix, la protection et la bénédiction divine. 3. Bénédiction. Après avoir purifié chaque pièce, placez un petit bol de sel près de la porte d'entrée en disant « Que ce sel garde cette maison sous la protection de Dieu. Qu'il bénisse tous ceux qui y entrent avec paix et amour. » 4. Clôture. Pour terminer, priez une dernière fois pour sceller le rituel, demandant à Dieu de protéger votre maison et de vous bénir avec sa grâce et sa miséricorde. Ce rituel, simple à réaliser, s'appuie sur des traditions anciennes
qui reconnaissent le pouvoir spirituel du sel pour créer un espace de paix et de protection dans votre vie quotidienne.